Alors la roue, exercice que j'affectionne tout particulièrement. Vous avez vu à Lyon, hein, j'utilise quasiment plus la roue. C'est deux planches à roulettes parce que ça me permet de faire et les écartés et le pullover. Là, évidemment, ça va être roue pullover. C'est un exercice, c'est génial parce que cette petite roue qui vaut que dalle permet quand même de faire un exercice de chaîne musculaire très intéressant un peu de partout. Alors là, évidemment, j'ai pas l'amplitude avec mon petit banc qui surélève les genoux. C'est pas grave, je vais faire une contraction un petit peu en contraction continue. Petit clin d'œil en passant à ce petit sac Decathlon Quechua qui sert de tapis pour les genoux parce qu'il a un super garnissage d'eau. Alors la qualité, je la trouve incroyable parce que je l'ai acheté 3 francs 6 sous, quoi, 15 euros. Et il a un super contenant. Une qualité de solidité incroyable. C'est vrai qu'il était soi-disant garanti 5 ans. Ben, ça fait déjà 3 ans et demi, 4 ans que je l'ai. La seule fois où je l'ai abîmé, où je l'ai percé, c'était avec un couteau dont la lame, j'avais pas oublié de refermer. Voilà. Et la lame est passée au travers de la toile, un tout petit trou à un endroit, c'est tout. Mais incroyable. Les attaches. Il n'y en a aucune qui a cassé. Les fermetures éclair ont toujours tenu. Les sangles ont tenu. Il n'y a absolument rien. J'ai uniquement cassé, vous voyez, ce petit attache de cordon. Par contre, je l'ai énormément sollicité, ce cordon, il faut le dire. Mais donc voilà, là, si tous les magasins de sport pouvaient faire des produits comme à Decathlon, comme ce Quechua là, 15 euros, bordel. Ça fait vraiment un super sac, quoi, de qualité. Bon, bah, il est encore parti pour je sais pas combien de temps.